Bon, le premier gros boss du jeu, hein, Pieta, que j'aime bien, hein. Elle est stylée, elle a des bons patterns. J'ai l'impression que celui-là, ce coup-là, on peut pas le contrer. Voilà, c'est bon. Oh, elle esquive. Là, j'ai appuyé trop tard. Voilà, hop, entré. Il va faire sa phase 2 là, non. Là, si je la tape, je lui fais 0 dégâts, évidemment, ils ont pensé à tout. Donc là, je vais la laisser faire ses 6 magrés, voilà, je me mets bien à distance. Hop, on esquive ça, c'est facile à esquiver. Là, je reste bien au milieu. C'est bon, je l'ai contré. Voilà, c'est ce coup-là que j'ai du mal. Alors, là, c'était sa chope. Merde. Ah ouais, bah ouais, mais là on m'a envoyé toute la sauce là. Merde, putain, j'ai déconné. Bon allez, c'est bon. Umbral. Putain, j'ai déconné. Ah, moi aussi. Ah. Voilà, c'est bien. Ça se compte, fait du bien. Putain, l'esquive. Oh merde! Hop là, je t'ai vu. Je l'ai eu. Super, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, super. Mon perso, il se barre comme si c'était rien passé. Ah, je lui fais une tronche à mon perso. Putain, pourquoi c'est saccadé comme ça là? J'ai l'impression qu'ils ont pas bien maîtrisé le U5 hein, pour ce jeu. Hein. Alors, c'est volontaire ou. Ouais, apparemment c'est volontaire, hein, puisque là le reste du décor est fluide. Donc je rappelle, je suis sur PS5. Hein. Suicide genre parce qu'elle a perdu. Alors j'ai eu un trophée.
Bate Pieta du renouveau béni, grandeur décadente. Donc là je suis dans l'ombre, putain par contre elle m'a donné énormément. Mais là je peux pas invoquer là. Ouais là je peux pas invoquer. Si, malgré tout je peux. D'accord, ok. Ah ouais, parce qu'elle m'en a donné un, ok. Elle m'a donné une graine là. Putain elle m'a donné de ouf hein. Voilà, allez, on va enlever l'umbral. Déjà on va commencer par ça. Et là, je vais pouvoir passer deux niveaux. Donc je vais mettre vitalité et brasier. Voilà. Voilà, vitalité et brasier. Après je mettrai en force. Bon, bah, très bien. Voilà. Voilà, ceci est très bien. Donc 2154 et je peux pas passer de niveau. Hein. Donc là, d'emblée, le ton est donné dans ce jeu-là. Je pense que pour passer des niveaux... Parce que, en fait, ça paraît logique. Hein, parce que... hop là, si je fais ça... Là, je suis niveau 18. En fait, c'est que tu as moins de stats. Tu as force, agilité, endurance, vitalité, radiance et brasier. Donc du coup, comme t'as moins de stats, en fait, j'ai l'impression, peut-être que je vais me tromper, on verra ça sur la longue, qu'ils ont fait en sorte que tu cravaches réellement pour passer des niveaux, quoi. C'est-à-dire, il faut que t'avances concrètement dans le jeu, ou si tu trouves une zone de farm, bah, vas-y, farm. Mais voilà, quoi, en fait, farm. Donc là, il me manque 200 pour passer un niveau, là. On va faire ça vite fait, bien fait. Ici, j'aime bien, parce que les mecs, ils se fritent entre eux. Ah, ils sont bien calmes là. Voilà, tu vois là, ils se fritent entre eux là. C'est eux deux, ils sont ensemble. Merde. Voilà, avec lui. Par hasard. Voilà. Je voulais le contrer. Chiné. Voilà. Et là, je vais pouvoir passer mon niveau normalement. Par contre, ça, c'est con que les âmes elles viennent pas directement à toi. Faut que t'ailles les chercher. Ça, j'aime pas ça. C'est pas du tout pratique ça. En fait, il faut que tu avances vers l'âme pour la récupérer. Oula, là j'ai une arbalète là. Ouh, ça va me plaire ça. Avec des munitions. Non, je peux pas passer le niveau. Est-ce que je peux le faire là? Ouais, 2300. Ouais. Alors je vais voir si le PNJ il est encore là. Je vais voir si j'ai pas des. Ouais, non, ça c'est ok. Non, j'ai pas des âmes là à consommer. Ah, par contre, ça, l'arbalète, ça va me plaire, ça. Est-ce qu'il est là encore? Non, il est plus là. Et ah oui, d'accord. Et donc, la pousse s'en va. Ok, donc c'est temporaire. Tu vois, là, j'en ai plus, là, le triangle là qui clignote, là. D'accord. Là, j'en ai plus parce que je l'ai transféré mais là où il y avait le boss. D'accord, ok. Je vais juste aller de quoi passer, chercher de quoi passer un niveau, mais le problème, non, je vais pas le faire comme ça. Bon, je vais pas le faire comme ça parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Là, j'ai pas de potion. J'ai pas envie de prendre le risque bêtement. Faut encore que j'appréhende le jeu. Mais en tout cas, là, le fait d'avoir l'arbalète, ça va me plaire, ça. Pour éventuellement aggro les ennemis à distance, faudrait au moins que je teste parce que la pyro marche très bien, ça touche très loin. Pour l'instant, je fais pas énormément de dégâts, mais bon, au moins, ça permet d'aggro. Parce que moi, j'aime toujours avoir quelque chose à distance. Et c'était le village, hein.
Ouais, je crois que c'était le village. Et donc faudrait que je compare, parce que faut évidemment que je fasse attention au poids. Ouais, c'était le village, ouais. Donc là, juste en tuer quelques-uns, juste pour passer le niveau. Et bon, bah ça va, je suis content. En plus, un bon premier boss, là, Pieta, là, pas mal, ses patterns. Et avec la musique qui est pas mal. Voilà, c'est bon. Voilà, ouais, fallait vraiment tuer un ennemi, hein. Même un ennemi de merde, ça suffit. Après, faut pas que j'hésite à, si je reviens sur un endroit que je connais, de pas hésiter à le voyager, à le visiter en ombral, hein. Faut pas que j'hésite à faire ça. Donc la force, pour faire plus de dégâts... Ouais, là je fais juste plus 1, là. Parce que l'arme que j'ai, c'est dommage, là il me montre pas le... Il me montre pas l'arme. Ah, ça c'est dommage ça. Ça dans l'interface c'est très dommage ça. Parce que là l'arme que j'ai, donc celle-ci, donc son scaling, il est sur le brasier. Ouais, en force il a E. Donc autant augmenter le brasier. Hein. Sérieusement, hein. Franchement autant faire vitalité brasier comme un porc. La vérité. Hein. Parce que là si j'augmente le brasier, tu vois, je prends. Alors je prends 7 dégâts, non, je prends un dégât de plus en feu, puissance de sort, je suis à plus 14, et attaque physique, point d'attaque, ouais, 46, ouais, je reste à 46, ouais. Bon, tant que j'ai cette arme-là, franchement, ouais, autant alterner vitalité et brasier, hein, en fait. Hein. Ouais, autant alterner vitalité et brasier. Voilà. Et là, je me mets à ma germe, qui est le raccourci que j'ai planté moi-même. Ok, d'accord. Bon, bah, ok, c'est un élément de gameplay qu'il faudra prendre en compte. On verra ce que ça va donner avec la longue. Mais en tout cas, là, pour l'instant, les premières heures de jeu, je kiffe. Hein. Je kiffe clairement le jeu. C'est très beau. Le U5, visuellement, il n'y a pas de problème. En plus, je viens de faire Alan Wake 2, qui, pareil... Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a des gros soucis de physique. La physique même avec le décor. Alors pas tant la physique quand tu touches un personnage, mais par contre, l'interaction entre le personnage et le décor, il y a un problème. Il y a un problème qui n'est pas totalement maîtrisé. Et là, dans les cutscenes de ce jeu-là, Lord of the Fallen, il y a des petits cuts. Donc qui sont liés au jeu. Alors faudrait peut-être éventuellement modifier certains réglages, mais voilà, tu sens que le moteur est vraiment bien, mais que les développeurs ils ont pas encore totalement la main dessus, ce qui est tout à fait normal. Là c'est les premiers gros jeux qui sortent sous U5, hein. Mais plus tard là, d'ici un an, deux ans, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, ça va faire mal, hein.